soir parce qu'on lui a fait vivre un rythme effréné. Pierre, merci de nous avoir accueillis parce qu'on a appelé il y a quelques semaines et vous avez tout de suite dit un grand oui. On clôture ce soir avec une vraie exclusivité. On a avec nous ce soir le réalisateur Jean-Pierre Dutilleux qui va venir nous en parler. Tous les rêves que vous pouvez avoir un jour, vous pouvez les réaliser en tout ou en partie. J'ai toujours revenu chez Raoli et chez les Indiens du Xingu. C'est là que tout a commencé pour moi. Et puis je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi faire des retours vers eux. Le message, c'est qu'il ne faut pas lâcher le morceau. En tout cas, je vous souhaite une bonne séance. Moi, je voulais tout simplement tous vous remercier d'être venus si nombreux grâce à Robert pour nous sensibiliser encore une fois à une cause qui est la vôtre ce soir, cet objectif zéro déforestation. Si on fait des efforts pour eux, on fait des efforts pour nous et on en aura les conséquences positives. On a la chance d'être accompagné par Watata Kulu. Que vous l'applaudissiez parce qu'elle est fatiguée, mais elle est résiliente. Elle a un petit garçon de 7 ans aussi. Boa noite a todos. Agradecer aqui o espaço. Para mim é muito importante. É um filme que eu fiquei muito encantada, porque é um filme que mostra o dia a dia do nosso povo. Então, eu acho que ele traz essa mensagem de quanto é importante. Agora também do Instituto Aritana, através do olhar do Jean-Pierre, et d'AFD. Très important et ça me touche beaucoup d'avoir autant d'enfants dans cette salle ici présents aujourd'hui. Parce que demain, les adultes de demain sont eux. Parce que je pense qu'à travers le canto, je carrego l'ancestralité de ma famille. Je vous remercie beaucoup d'être là.